Et bonjour à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte aujourd'hui et j'espère que vous avez passé tous une agréable semaine et que vous avez pu profiter de ces nouvelles éclaircies dans ce magnifique ciel. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va jouer donc sur la méga paille de la console rétro que voici. Incroyable, qui est donc la version Mega Drive des consoles disponibles sur la console rétro. Si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console vous intéresse de la console rétro.fr, vous pouvez utiliser le code promo J10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande et ça c'est pas rien. On va jouer donc sur cette console et on va jouer à Zelda Link to the Past normalement si tout va bien. Et si ça ne m'ennuie pas trop vite, parce que le dernier coup qu'on l'avait testé, il s'avère qu'on s'est fait spoiler la tronche par plein de gens. Voilà. Transition magique. Alors, voilà, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, Billy, 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 Billy. Donc on va jouer donc à A Link to the Past, qui se trouve sur Super Nintendo. Donc c'est ici. Avec la jolie musique qu'on entend ici. Alors par contre ça c'est la musique de la version NES. Et du coup alors que j'aille voir ça, ça va être dans quoi? Ça va être dans les... Alors je sais plus si c'est dans les T ou si c'est dans les L. Je crois que c'est dans les T. Je crois que c'est The Legend of Zelda. Alors faudrait que je fasse ça. Pas du tout. Alors, dans les clés T. Voilà, et après, donc le... Voilà, The Legend of Zelda. Ça y est. A Link to the Past. Donc, il y en a 4 versions. Il faudrait que j'arrive à trouver la version française. Ce sera lequel, celui-là? On va voir ça. Comment ça s'est passé? Vous avez le droit de me dire, on est en live. Hein. Normalement, vous voyez un petit logo là-haut qui dit si on est en direct ou pas. Dites-moi comment s'est passé vos semaines respectives. Alors, ça a l'air d'être bon. Écran de sélection. En plus, j'ai la version française, donc c'est parfait. Est-ce que je peux pas faire... Alors, comment je vais faire? Je teste des trucs. Hein. Ah, j'ai déjà fait des blagues avec ma manette, c'est ça? Ok. Alors, mon nom. Mon blaze à moi, vous le connaissez par cœur maintenant. Vous allez même mieux le connaître que moi bientôt. Hop là. Et voilà. Donc on part du début. Et puis alors je vais pas lire le truc, je vais pas faire les doublages. En plus ma voix elle est complètement flinguée, donc on va peut-être essayer d'éviter. Je m'appelle Zelda. Ouais, c'est difficile. Hein. Elle a du mal à sortir là-bas. Alors, sorcier, Aghanim m'a ensorcelé, les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Je sais pas pourquoi je fais une voix aussi dramatique. Alors du coup, Aghanim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 anges. Je suis dans le donjon du château. Aidez-moi. Ah, ça accroche hein, quand même. Je pars faire un petit tour. Je serai de retour au petit matin. Ne sors pas de la maison. Mais ne t'inquiète pas. Eh ben salut alors. Titipi. Alors cool, qu'est-ce qu'on peut faire? Normalement il y a des... on doit pouvoir récupérer des objets. Faut que je retrouve les boutons aussi. Visiblement c'est... Ah, c'est... D'accord, donc c'est rond en fait. Ok. Ça c'est pour faire du soin, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Ah oui, ça y est, je me souviens. En fait les poteries c'est les meilleures, la meilleure arme du jeu. Pareil pour les buissons. Donc on va peut-être se balader avec un buisson. Histoire de... d'être mieux. Et il faut que j'aille... Si je me souviens bien, il faut que j'aille au château. Pour aller trouver le passage. Il y a un passage secret pour rentrer dans le château. Tipi, tipi. Et de souvenirs, c'est là-bas. Semble-t-il, parce que là pour l'instant j'ai pas encore le pouvoir d'ouvrir ces machins là. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ici. Voilà. Ok.
Par contre, j'ai aucune arme. Hein. Ah oui, si, lui m'en donne une. Oh, Jay, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cela. Je t'avais dit de rester à la maison. Prends mon épée, mon bouclier, et écoute-moi bien. Pour concentrer tout le pouvoir dans l'épée, maintiens le bouton B appuyé. Puis relâche-le en utilisant la technique secrète transmise par notre peuple. Donc, ok. Donc quatrième mur, il s'en bat les steaks, le pauvre gars. Jay, tu peux y arriver. Sauf Prince Zeld, tu es son sauve. D'accord. Eh ben, adieu. Alors, du coup, maintenant, ça y est. On a un magnifique bout de bois. Avec lequel on peut frapper les gens. Tiens. TTP. Ah oui, alors la technique secrète de garder le bouton appuyé. C'est vrai qu'il y avait ça. Voilà. Ah, la voix est revenue quand même un petit peu. Alors oui. On peut faire des tours de magie. Comme on fait déjà. Comme ça, non? C'est ça. C'est donc carré. Donc je sais pas, c'est Y je crois. Sur la manette de Super Nintendo. Alors il faut que je garde les buissons puisque meilleure arme du jeu. C'est quoi ça? Y'a rien. Ah. Alors ok. Faut faire du désherbage. Tiens. Paf. Maintenant que j'ai chopé le coup, c'est plus facile. Maintenant que je sais qu'il y a le bug avec le personnage. Parce que sinon c'est pas intuitif. Et normalement j'ai un moyen de courir mais je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Il faut peut-être un objet particulier pour courir, je me souviens plus. D'ailleurs, avant de faire ça, je devrais peut-être jouer à Metal Slug en fait. En train de me dire que ça aurait peut-être été le meilleur bail de jouer à Metal Slug, histoire de se défouler un petit peu avant. Aïe! Non, c'est bon. Je pensais avoir pris un coup, mais non. Ah, voilà. Le fameux bug dont je parlais, là. Parce que là, si je tape comme ça, là, et que j'essaie de me tourner, là, je peux pas, là. Là, je suis en train de taper en bas, là. Là, à droite. Là, à gauche. Là, en haut. Voilà. C'est le fameux bug de contrôle sur ce personnage et ça c'est un peu ennuyant. Est-ce qu'il y a une carte? C'est où la carte déjà? Triangle? Oui. D'accord. Je suis la carte! Très bien. Ça lui fait pas tant de dégâts que ça en plus. D'utiliser la technique chargée donc je vais jamais l'utiliser. Oh là là, merci Yaya Skones, j'ai bien prononcé. Merci pour ton like, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Oh là là, ça y est, il m'a touché, ça y est. Et là, je vais être bloqué. Aïe. Il marche plus vite que moi, du coup, ça va pas du tout. Il marche plus vite que moi. Mais je vais mourir! Oh, cruel destin que le mien! Game over, on va faire une sauvegarde. Et on va faire un Metal Slug d'abord. Avant de faire ça. On va d'abord faire un Metal Slug histoire de se mettre en bonne position. Alors je vais juste mettre ça en favori, comme ça va aller plus vite. Pour après, je vais lancer mon Metal Slug. Je vais faire mon petit Metal Slug histoire de me détendre un peu. Et après on va reprendre tranquillement. Oui, Metal Slug. Voilà. Après on reprend le Link to the Past. Que je vais pas faire en entier aujourd'hui. Hein, parce que c'est pas l'objectif. Alors toujours même objectif. Terminer le jeu en un seul crédit. Pour l'instant c'est pas encore arrivé mais ça arrivera peut-être. Un jour j'y arriverai, je le sais. Un jour je serai le meilleur Metal Slug. Vous avez cru hein, que ça allait être Pokémon, mais non, jamais.
Oh bah alors. Et mince. Voilà. Ça, ça va pas. Ça a l'air plus solide que d'habitude. Ah ouais, faut que je regarde ça aussi. Pour mettre le vrai son au lieu du semblant. Il y a une astuce normalement. Faudra que je regarde ça. Voilà, ça va aller mieux tout de suite. Hein. Une fois que j'aurai fait ça, on se sentira plus à l'aise. Concentration, hein, toujours. Toujours la concentration. D'ailleurs, en fait, je me prends la tête, mais je peux juste le tuer comme ça, en vrai. Et voilà. Et voilà. C'est garni. Alors faut que je fasse attention à ça. Ah, ça se passe pas bien. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon. Je suis obligé de recommencer. Je peux pas mourir là. Le problème, je vous explique ce qui vient de se passer en fait. Pourquoi je suis mort comme un caca ici. Tout simplement parce que en fait, il y a l'otage qui était en train de cuire sur le barbecue. Donc, mon but, c'est de sauver l'otage sans perturber les gardes qui sont en train de faire leur barbecue. Parce que comme c'est pas des guerriers, c'est des militaires, mais c'est pas des guerriers. Ils sont tranquillement en train de faire un barbecue. Si je les dérange pas, en théorie, je fais plus de points. Enfin, c'est une théorie que j'ai développée comme ça, mais parce que j'ai constaté que à chaque fois que je faisais ça, je gagnais plus de points sur un objet qui est un tout petit peu plus loin. Et donc du coup, c'est ça que je cherche à faire. Je cherche aussi à faire le maximum de points. Donc l'idée c'était de sauver l'otage sans perturber les gens en faisant leur barbecue. Sauf que comme j'étais pas assez concentré sur ce truc là, et ben du coup j'ai pas vu l'autre. Enfin je l'ai vu mais j'ai pas réussi à éviter l'autre qui me balançait sa grenade. Voilà en gros. Et je vais vous montrer ça, on va y retourner vite fait et puis je vais vous montrer ça. Et après je retournerai sur Zelda, promis. Parce que je sais que vous êtes des grands fans de Zelda et que là du coup comme on est sur Metal Slug bah c'est pas pareil quoi. Même si pour de vrai Metal Slug c'est mieux. je vais m'attirer l'hostilité de trop de gens. C'est pas grave. Vous savez pas ce qui est bon. Ah bah je peux pas prendre ça. Ah si, j'ai peur. Et voilà. Ça va vite, hein. Le premier niveau c'est maîtrisé. Normalement le deuxième aussi, hein, mais je sais pas pourquoi je me suis planté comme ça. Enfin si, en vrai je sais, mais ça va pas quoi. C'est illégal, j'ai pas le droit de faire ça. Alors du coup là, oh, bonne nouvelle. Il est là l'otage, donc ça c'est cool. Comme ça je suis pas obligé de les perturber eux. Vous voyez, ils m'agressent pas.
Et la théorie, c'est que ce nounours-là, maintenant, il vaut 50 000 points. Et voilà. Donc ça s'est encore vérifié. C'était exactement ce que je voulais faire. Du coup. Oh. Attention à ça. Ouais, la machette là. La grenouille, vite. Enfin, je sais pas, le poisson ou je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une grenouille, voilà. Parce que ça change à chaque fois. Les, mais je sais qu'il y a des trucs qui valent des points en fait à cet endroit là, donc c'est pour ça que je fais ça. J'aurais peut-être pas dû le sauver maintenant, lui. Allez. Allez, voilà. Shotgun, c'est cool. Par contre, il faut que je fasse deux fois, voilà. Ça, ça va pas. Voilà, shotgun, excellente arme. Parce que du coup, c'est cette arme-là qui va me permettre de tuer facilement le la bestiole qui est là, là. Le truc qui arrive ici, là. Parce que ça, c'est... mine de rien, c'est assez compliqué à tuer en temps normal. Mais avec le shotgun, voilà, tranquille. Hein. Ah bah alors, c'est passé à côté. Est-ce qu'on va avoir un bon pattern là sur ce truc là? Parce que ça serait intéressant qu'on puisse le zigouiller vite, lui. Dommage. T'es obligé de faire ça comme ça. Ce qui est pas un pattern très cool. Ça c'est mieux. C'est très bien ça. Oula. Allez, voilà, parfait. Nickel. Je sais jamais si j'ai sauvé tout le monde ou pas. Hein. Un jour, il faudra que je regarde combien il y a d'otages par niveau. Il doit y avoir le, je dois avoir l'info quelque part. Start. Heavy machine gun. Non, il me tue à bout portant. Et du coup, j'ai pas l'arme. Et du coup, ça va être dur. Aïe 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 aïe. Oh là là, au pistolet, vraiment. Je vais le faire, hein, mais je suis un peu deg. De perdre une villa. Ça rend le truc vraiment plus compliqué, quoi. Bah alors ? Ah, j'ai eu peur. Bon, des munitions, mais du coup, ça me sert à rien d'avoir des munitions vu que j'ai pas d'armes. J'ai que ça, le pistolet, là. Redémunition, il m'a toujours pas redonné le... Oh là là, je tombe.
Je tombe dans le vide. Je suis mort. Et voilà. N'importe quoi. Bon. Je vais en refaire une quand même. C'est pas normal. Je devrais pas mourir. Je devrais pas mourir mission 3 quoi. N'importe quoi. Game over mission 3, mais. Il va falloir être concentré. Hein. Je vais arrêter de dire des conneries et on va faire directement. En plus, je joue avec le pistolet. Voilà. Normalement, voilà, on y va plutôt couteau. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Et en plus, je peux plus récupérer le truc. C'est vraiment pas malin. Bon, dernière. Et après, on retourne sur Zelda. Parce que là... Ah bah attendez, du coup j'ai peut-être une autre... Il y a peut-être un autre truc à développer là. Vu qu'il y avait un nounours à 5000 points. Il y a peut-être un truc à développer pour faire un 50 000 points. Enfin, je regarde ça. Faut que je récupère les grenades. Important. D'ailleurs j'aurais dû les récupérer en tant que grenade et pas en tant que missile. Ça va pas du tout. Ça veut dire que c'est pas très bien joué. Je suis beaucoup trop près. Oh là là. Du coup il y a lui qui est arrivé. Oh là là, et chauffe pas les otages au bon moment non plus. Le timing est pas ouf. Et voilà. Ça va pas. Ça va pas du tout ça. Ah, l'otage qui est sur le barbecue. Ok, c'est bon. Mais comme il était sur le barbecue, est-ce que ça va marcher? Ça a marché. Oh là là, cette frayeur. Vite, vite. C'est bon. Ok. Pourquoi j'ai... Non, si, c'est bon. Il fallait prendre le rocket launcher. Allez, voilà. Voilà, tranquille. Après faut que j'économise les balles quand même. Ah
Je l'ai fait bugger. Du coup, je l'ai fait bugger. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Non, c'est bon. Faut tuer les avions quand même. Bon alors, le zeppelin là. Ah oui, c'est bien ça. Parfait. Oh, la perfection du pattern. C'est génial. Merde, j'ai plus de grenades. Il pouvait pas mieux faire. Bon, tant mieux. Ça fait gagner du temps. Alors, mission 3, interdit de mourir. Hein. Mission 3, quand même. Donc, va falloir jouer mieux que tout à l'heure. Alors, concentration. Heavy machine gun. Pas trop de munitions par contre. 65 munitions, c'est pas ouf hein. Je commence à manquer une munition. Bah alors, ah ouais. Et ça me donne une grenouille. Attention à ça, voilà, une munition c'est bon. Il va vite lui. Ok, c'est bon. Très bien. Non. Putain, je me suis fait peur. Il y avait pas... Non, là je suis mort par contre. Ouais, ouais. Ah, purée. C'est interdit de faire ça. En vrai, je devrais y aller au couteau plutôt que d'essayer de rester à distance face à lui. J'ai l'impression que je suis plus efficace au couteau contre lui. Rocket Launcher. Bon là tant pis pour les points, on est censé faire des points mais c'est plus rigolo de tout détruire. Parce que là c'est pareil, comme ils sont en train de faire un barbecue eux, il y a très probablement un truc cool à faire au niveau des points. Donc il faudrait que j'étudie ça mais à un autre moment. Que l'objectif là toujours terminé en un seul crédit hein. Du coup je peux faire ça. Est-ce que je l'ai... Ah, attends, j'ai eu peur. Par contre, il me faut des grenades. Hein. Je l'ai pas sauvé et je suis bloqué en dessous. Putain, je suis deg. Je suis tellement deg. Et du coup, je peux pas sauver l'autre. Oh, putain. Cet endroit là à chaque fois ça me stresse parce que c'est vraiment faut se mettre à un endroit en particulier. D'ailleurs il y a des mecs qui sont censés être dans les arbres aussi.
pas déclencher le canon là. C'est bon là. Voilà. Bon, j'ai perdu une vie quand même. Hein. Tant pis. On va le jouer au. On va le jouer à la rapidité. Ce que je vais pas pouvoir faire pendant bien longtemps parce que du coup j'ai pas tant de grenades que ça. Ça passe pas. Aïe aïe aïe. Bah c'est bon. Mais du coup j'ai pas sauvé tous les otages, c'est. Faut que je le comprenne. Merci Melkatt pour ton like. Bienvenue sur le live. Et j'espère que tu vas bien. Bon c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf, perdre une vie là. Sur un saut raté en plus. En vrai je devrais vraiment rester en bas. C'est peut-être plus facile de le tuer par en bas. Et d'éviter les grenades et de le tuer. Le tuer avec. Comment ça s'appelle ? Oula. Rocket launcher. Non, non. La roquette qui est partie toute seule. Comment je vais faire? Merde. Je peux pas. Va falloir que je le fasse manuellement. Oh la vache. Je suis dégoûté. Et là je vois plus rien, j'ai plus d'image. Ok. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et l'autre j'ai même pas pu le sauver. Oh là là, mais n'importe quoi. Mais là, sans le Metal Slug, j'ai perdu en fait, juste. S'il avance, je suis mort. Non, c'est bon. Du coup, je le speedrun parce que je suis mort. Sans le Metal Slug, je peux pas en fait. Ah, ok, c'est mieux. Oh là là, je prends quand même la. Mais parce que. Mais oui, mais gros débile aussi, t'as pas détruit le truc. Je me déteste. Bon bah, j'ai perdu. Je vais mourir là. Parce que le boss sans le Metal Slug. C'est pas possible. Oh là là, mais pourquoi je joue tout le temps aussi mal? Bon, c'est pas grave. On va juste faire ça et on va retourner sur Zelda. Voilà. Ah, c'est intéressant la manette. Qui a décidé d'en faire qu'à sa tête. Alors. Et j'ai plus d'image non plus. Super. Donc on avait dit quoi? On avait dit Super Nintendo. Hop. Et je suis déjà dessus. Et j'ai toujours pas d'image. Est-ce que tu veux bien fonctionner la carte d'acquisition s'il te plaît? J'ai un jeu à faire tourner. Merci. Voilà. Alors on en était où? On en était là. Du coup sauvegarde des suites. On recommence. Alors est-ce que du coup maintenant qu'on a fait le Metal Slug c'est plus facile? Non, j'ai l'impression que c'est plus compliqué même. J'aurais peut-être pas dû faire le Metal Slug. Aïe. Ça a l'air plus difficile même au niveau des contrôles. Ah oui, ils sont durs en fait. C'est pour ça que j'avais pas réussi à le faire tout à l'heure. Sont plus durs à tuer. Ok. En vrai, ça va. C'est pas là. Ah non, ça avait la sortie, ça. Mince. Alors, tant pis. Et les on peut pas courir. C'est pas tout de suite. Ouais, j'aurais pas dû prendre ça.
C'est par là que j'arrive ou pas? Je sais plus. Par où je suis arrivé? Aïe! Dégueulasse. Mais meurs! Voilà. Très bien. En fait, j'aurais pu juste les tuer avec, avec les poteries. Mais je crois que j'arrive de là en fait. Je crois que c'est ça qui s'est passé. On va aller regarder de l'autre côté du coup. Et les PPP. Y'a rien. Aïe. Non mais en fait y'a rien. Est-ce que je peux les tuer comme ça? Paf. Oui, ça a marché. C'était exactement ce que je voulais faire. Vous avez dit que les poteries c'était les meilleures armes. C'est one shot hein, sur les ennemis. La carte c'est quoi déjà? C'est ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? L'étage en dessous. Pardon. Alors là on voit rez-de-chaussée, le moins 1, j'ai pas fait le moins 1. Le premier étage. Je sais pas, on a tout vu là ou pas? J'ai pas fait gaffe. Peut-être pas. Je vais peut-être regarder du coup. Il y a peut-être des chemins en fait. Mais si, ça je l'ai fait. On a été voir là tout à l'heure. Oui, je l'ai fait ça en fait. Là y'a rien non plus. Ok. Salut. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas fait? Tout ça on a fait. Faudrait que je trouve un moyen de descendre en fait. Donc ça serait plutôt par là-bas. Mais j'en viens en fait. D'accord, donc c'est là où je croyais être allé. En fait, j'y suis pas allé du tout. On va faire ça alors. Je croyais être allé là, mais non. Non! Ah, j'ai eu peur. Oui! Oui! Tu as le plan. Certains pour voir ta position et le reste du donjon. J'ai la carte! Appuie sur le bouton X. Alors, du coup, ça correspond à triangle. Par contre, là, j'ai pas de poterie. Tiens, meurs! Aïe. Le poteau l'a sauvé. Par contre là j'ai des poteries. Donc là on peut rigoler maintenant. Paf. Il a l'air en colère lui. Oups. Bon bah là je vais mourir par contre. Aïe aïe aïe. Le demi-cœur. Comment je vais survivre à ça? Je peux pas. Ah si c'est bon. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Oh non, ma poterie! À chaque fois, je me fais arnaquer, là. Du coup, là, maintenant, je vais quand même encore mourir. Non, c'est bon. Paf! C'est quoi, ça? J'aille en haut. Alors, elle dit quoi, la carte? Elle dit qu'il y a des trucs à voir avant d'aller là-haut. On va aller explorer, alors. C'était un piège. Non, c'est bon. J'ai pas la clé.
Voilà, ça c'est cool. Alors comment je fais ça? Ça, boomerang, c'est intéressant parce que du coup, maintenant je peux récupérer des trucs qui sont loin. Je crois que c'est ça. J'ai tout exploré au moins là. Non, il y a des salles que j'ai pas vues là. Ah bah non, c'était là qu'il fallait que j'aille. Mettre un petit coup de... un petit coup contre les ennemis, ça y est, je me souviens. Genre... paf! Paf! Et voilà. Et Pikachu, merci Mariette. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Que t'as passé une bonne semaine. Alors, j'ai pas le temps de lire tout ce qu'elle dit. Sa sorcière est un monstre très cruel. Est-ce que t'as tout compris? Oui, j'ai absolument. Je t'ai absolument pas écouté, mais c'était ça. Et de l'argent. Ok, cool. Oh là là! J'ai pas besoin des cœurs en fait. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de me balader avec une poterie. Mais je peux pas le faire en fait. Ça, c'est un problème. Alors, je sais pas s'il y a un admin de la page actuellement de la console rétro, mais sachez que on vient de m'informer dans mon oreillette qu'il y a actuellement un problème pour communiquer avec moi dans le chat. Par conséquent, si un admin pouvait vérifier que tout est ok et que le live puisse se dérouler convenablement, ce serait assez cool. Merci beaucoup. La régie, s'il vous plaît. Faisez quelque chose. Il semblerait qu'il y ait un problème technique. Ce qui est un peu dommage, du coup, de passer à côté. Si je peux aller là. Adieu. Et voilà. Il est encore dans le chargement. Paf. Petit coup de lame dans le dos, là, comme un bon petit traître. C'est peut-être mon tel qui déconne. Ah, bah non, tu vois. Ça a marché, là. Ou alors la régie a entendu mon appel au secours et désormais ça va mieux. C'est également une possibilité. Parce que là je peux voir ton message. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Ou alors t'as dit une phrase peut-être avec un mot qui pouvait être sujet à controverse. Parce que les règles de sécurité sur Facebook sont compliquées. Hein. Bon paf, voilà, il m'ennuyait. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Probablement pas là d'ailleurs. Je vais quand même regarder des fois qu'il y a un truc intéressant à faire, mais je crois que c'est pas là. Je vais pouvoir. Tout le monde s'est mis à agir bizarrement. Je crains que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que je sois atteint à mon tour. D'accord, donc non, en fait, il faut juste pas aller là. Mais du coup, s'il faut pas aller là, pourquoi il y a une porte? Ah, parce qu'il faut aller là. Mais là, pour l'instant, je peux pas y aller parce que pour aller là, il faut que j'ai la Master Sword. Je crois que c'est une histoire comme ça. Mais alors, du coup, où est-ce que je vais? Je crois que c'est là, en fait, tout simplement. Aïe! Alors par contre, Zelda, elle a rien eu du tout, quoi. Moi, j'ai pris un grand coup de lame au milieu de mon cœur, mais elle, rien, quoi. Tant mieux, il y a un passage secret dans la salle de trône. Ah, cool. Je me souvenais. On va y aller.
Est-ce que tu connais ce jeu Melka TT? Alors, ce blason doit s'ouvrir en coulissant. Tu as la lanterne, c'est indispensable car il fait rudement sombre là-dedans. Tu es prêt? Allons-y. Par la gauche. Par la gauche, alors. Ah ouais, c'est parce qu'il fallait être deux. Tout seul, on pouvait pas y aller. D'accord. Donc oui, j'ai la lanterne. D'abord, il y a des rats. Cela dit. Paf. Hop. On peut faire ça aussi. Lanterne. Paf. Et voilà. Beaucoup mieux comme ça. Et bélélé. Pui. Oups. Voilà. Et je crois qu'il faut tout allumer. Peut-être pas. Je me souviens plus. C'est peut-être pas là qu'il faut tout allumer. Alors ça a pas dû être réglé les problèmes de régie visiblement. Pas entièrement, du moins. Il y a probablement eu de l'amélioration. Mais visiblement, il y aurait encore des soucis. Par contre, on voit plus rien du tout là maintenant. Comme dirait un célèbre philosophe, on y voit comme à travers une pelle. C'est bien la clé. Et voilà. Franchis, ces égouts nous seront très proches du sanctuaire. Soyons prudents, d'accord. De toute façon, je vais me faire agresser par un rat, non? Voilà. Oh, de la thune. Alors, faut prendre la thune parce que je vais en avoir besoin, en fait. Parce qu'il y a des tas de trucs à acheter. Il y a des flèches, il y a je sais plus quoi. Des arcs magiques. Il y a tout un tas de trucs à acheter avec... ça. D'accord, donc ok, on me confirme qu'il y a des problèmes, au niveau du live, de la communication avec le live, que ça ne passe pas. Donc il faudrait que la régie fasse quelque chose, s'il vous plaît, parce que du coup. Le live devient beaucoup moins intéressant. C'est intéressant pour vous qui regardez, mais là où c'est moins intéressant, c'est que c'est plus interactif du coup. On peut plus interagir ensemble en fait. Normalement, vous êtes capable, pendant qu'on est en train de faire le live là, de me dire des choses gentilles, hein, de préférence. Et comme ça, on interagit en fait. Là, si la communication peut pas passer. C'est la tristesse. Du coup là c'est comme si vous regardiez la télé. C'est donc intéressant pour vous, mais on perd ce côté interaction en fait. Et c'est dommage. Il me faudrait des bombes, mais j'ai pas de bombes. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Non. Il y a un truc qui bouge, c'est lui. Je peux le pousser qu'une fois. Du coup, effectivement, si quelqu'un de la régie pouvait vérifier, on me confirme dans l'oreillette qu'il y aurait encore, pour l'instant, le problème de communication. Il faudrait probablement voir... ça doit être au niveau des... tire le levier vers toi, là. Alors, je crois que c'est celui de gauche. Et évidemment, je vais tirer celui de gauche, c'est celui de droite, alors que j'ai une chance sur deux. C'était ça. Le bug du personnage me prend la tête, comme d'habitude dans ce jeu là. Oh, ça me fait penser qu'il faudra faire Mega Man 6 aussi. En parlant de bug de personnage. Le sanctuaire. Voilà.
Donc oui, on me confirme dans l'oreillette qu'il y a toujours le problème de communication. Oui, non, je peux pas faire sa voix, j'ai pas assez de voix pour le faire. Si le sceau des sept sages, une force démoniaque s'emparera de cette terre. Avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard, tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Et j'ai pas lu la suite parce que on sortit. Il faut que j'aille chercher Excalibur maintenant. Donc il faut aller dans la forêt. Va chercher l'ancien. J'ai tout compris. Mais d'abord, je voudrais récupérer ça. C'est alors plus fun que A Link to the Past. Mais non, c'est A Link to the Past. C'est juste que désormais, comme je connais les biais de A Link to the Past, si tu veux, maintenant j'arrive mieux à contrôler le personnage. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre comment ce personnage se contrôlait en fait. Mais il se contrôle pas de manière intuitive. C'est ça le vrai souci en fait. Mais c'est A Link to the Past. Hein. Donc il a l'air plus fun tout simplement parce qu'il est. Maintenant que je sais le contrôler, il est plus facile à contrôler le perso. Pas les agresser eux. Je sais que je suis recherché mais du coup la carte, faut aller dans là où il y a la croix en vrai. Et puis c'était ça? Non, c'est pas ça. Faudrait que je retrouve de la magie parce que j'ai que la moitié de mon compteur et du coup c'est pas ouf. Alors, les poules, non merci. Hein. On a déjà fait. Mais du coup, l'agression des poules, jamais. Hein. Du coup, c'est par là. Je vais toujours me balader avec un petit buisson ou une poterie ou un truc comme ça parce que je sais déjà que c'est la meilleure arme du jeu. Voilà, faut que j'aille là. Oui, oui. Oui, oui. Bonjour. Ah, c'est le jeu. Que puis-je faire pour toi, jeune homme? L'ancien? Oh, personne ne l'a vu depuis que le sorcier a commencé à ramasser des victimes. Excalibur? Bien, je me rappelle pas très bien. Mais il y a longtemps, un peuple prospère, connu sous le nom des anciens, raconte la légende qui parle de nombreux trésors que les Iliens auraient cachés sur tout le territoire. L'épée Excalibur, dont la lame toute puissante avait été forgée pour vaincre le diabolique ennemi, elle est un de ceux-ci. On dit que maintenant, elle repose dans la forêt. Est-ce que tu as compris la légende? J'ai tout compris. De toute façon, cherche l'ancien. Il doit bien y avoir quelqu'un au village qui sache où le trouver. Sois très prudent maintenant, Jay. Alors, oui. Paf! Ah, ça n'a pas marché. Dommage. Donc, l'ancien. Mais en vrai, Excalibur, on sait où c'est. Hein. Enfin, on sait où c'est. On sait que c'est dans cette forêt-là. Là. C'est à peu près tout. C'est tout ce qu'on sait. Mais il y en a un qui en parle en particulier. Il y a un gars qui parle en particulier de Excalibur. Même rechercher les soldats vite. Ah merde. D'accord. Alors je vais pas demander dans le village, visiblement ils ont pas l'air d'être très ouverts. Comment on court déjà? Salut. Sans rubis, j'ai pas assez. Ainsi t'es fauché, dommage. Reviens quand t'auras plus de rubis. D'accord, on revient. Ah bah attendez, il y a des trucs à faire là. Ah. Dommage. Alors c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que si je me souviens bien. Alors est-ce que quelqu'un de la régie a réussi à régler le problème de communication? S'il vous plaît. Oui, oui. Voilà, des bombes. Alors, la régie vient de me confirmer que normalement, ça devrait être corrigé. Merci pour votre réactivité. C'est très gentil. On me dit que ça devrait être corrigé, que désormais, vous devriez pouvoir envoyer des messages. Alors, par contre, soyez gentils, envoyez des messages cool. Évidemment, si vous envoyez un message qui va pas, vous allez vous prendre un ban. Vous avez pas envie de ça.
Je vais essayer de prévenir la... Aïe! Je vais essayer de prévenir quand même. Pour dire que c'est... que j'ai entendu le message. Hop là. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat maintenant que désormais ça a été corrigé? Alors, il faut que je fouille là-dedans. On va continuer pour l'instant. Que je me suis. Alors, oui, il y a des voleurs aussi dans cette forêt. Donc, il faut que je fasse genre ça là. Ça, c'est des saletés ça. Voilà, ça me pique mes bombes. Rends ma bombe, toi. Oh la vache! Excalibur, alors c'est pas la bonne, je crois. Le problème, c'est que là, maintenant, lui, il est là. Je peux pas les tuer, en plus, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il m'a piqué, là? Il m'a piqué ma dernière bombe. Du coup, j'ai plus de bombe, maintenant. Là, il me pique ma thune, maintenant. Je peux jamais les tuer ces trucs là en plus. Normalement on peut courir. Comment on fait pour courir? Je me souviens plus. Mais ça je teste pour vérifier. Merci Mikey Mike, effectivement. Maintenant ça a l'air de passer. Aïe. Merci la régie d'avoir été réactif. D'avoir pu permettre ce live incroyable. Oh, petit champote. Alors ça si je me souviens bien, ça c'est faire des potions avec ça. C'est une mine. J'avais oublié. Il y avait des mines. Viens le petit crabe. Le oiseau. Ok. Alors ouais, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. En fait, faut mettre ça, le boomerang, et je peux leur mettre des coups de boomerang comme ça, et après je peux les défoncer. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Du coup, je pense que c'est ça les voleurs, les gnomes voleurs de slip. On peut faire ça, il me semble. Du coup, la vraie Excalibur, elle est où? Elle est là-haut, il me semble. Pas du tout. Salut. Voyons, vas-tu t'appauvrir autant cher pour 100 rubis? Ouvre un coffre et gagne son contenu. Ouais. 100 rubis, c'est beaucoup quand même. Ah, j'ai gagné 20 rubis. Le jeu est fini. Ah, non, très bien. Donc j'ai perdu 80 rubis en fait. On est venu pour voler Tesla. Mais du coup, c'est pas là en fait. Je sais plus du tout où c'est par contre. Alors du coup, je suis pas au bon endroit. C'est dans la forêt, on a dit. Meurs! Aïe! Quoi? Non! Mais il est... Il prend pas les dégâts! Alors, je sais pas où il est maintenant. Ah, il est là. Oh, j'ai failli me le manger quand même. Hein. Du coup, c'est pas là. Oh, je sais plus comment on fait pour y aller. Paf! Alors il y a une Excalibur ici, mais c'est pas celle-là. En plus, ça se trouve, je suis pas du tout dans la bonne forêt. Parce qu'il me semble que c'est plus vers la gauche, genre là-bas. Du coup, je vais aller scruter. Aïe, ça m'a touché quand même alors que j'étais dans le tunnel. Abusé. Ah voilà, c'est là. Avec les petits animaux. Lave-la, Excalibur. Je peux pas la prendre. Pour que... Ah, parce qu'il faut que je puisse lire l'elfique. Il faut que j'apprenne à courir. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait pour courir. On est des glomes, bonheur, le slip. Paf! Non, ça marche pas.
Je ne sais pas comment on fait pour courir. On va fouiller dans le village, du coup, je vais parler avec les... Je vais parler avec les gens et essayer de trouver l'ancien. Tu veux pas me donner de la vie, toi, non? Voilà. Non! Ah, c'est bon. Et il m'a pas donné de la vie non plus. Dommage. Bon, moi, c'était cool, on a perdu plein de thunes. Toutes les bombes et plein de thunes. Oui. Du coup, les gens sont hostiles si je lui parle. Ah oui, voilà, les gens sont hostiles. Ah, je peux pas rentrer maintenant. C'est pas grave, viens par là. Paf! Paf! Et voilà. Et maintenant, je peux aller là ou pas? Toujours pas, elle s'est enfermée dans sa maison. Oui. Si je fouille là-dedans, du coup, il y a des fées des fois. Des fois, il y a des ennemis aussi. Genre concrètement ça aurait pu me tuer. Mais normalement il y a moyen de courir. Hein. Je sais juste plus comment on fait mais. Et viens la fée. Viens la fée me donner toute ta vie. Voilà. Comme ça on est moins stressé. On va aller voir. Salut! Ancien, tu parles du grand-père? Oui, mais le dis pas aux méchants. Il est caché dans le palais de l'Est. Je t'indique l'endroit sur ton plan. Voilà, ok. Bon, bah, on va aller voir le palais de l'Est alors. Mais par contre, il y a d'autres trucs à faire. Parce qu'il y a un livre. Faut que je trouve un livre. Non, merci. Faut que je trouve un livre. Et puis... Salut. Mon fils adorait jouer de la flûte, mais il est parti à la recherche du pouvoir d'or et n'est pas revenu. On est d'accord que c'est une métaphore. Où peut-il bien être? Et que fait-il maintenant? Oh, tiens, du coup, t'as pas envie de savoir. Salut toi. Je l'ai vu. Un charmant minois à la cascade des vœux dans les collines où la rivière commence. Tu devras la voir au moins une fois. Elle te fera crack. De quoi il parle? Oh, il y a un coffre. Je vais aller leur voler leur thune alors du coup. Oui. C'est de l'autre côté. Faut rentrer par derrière. L'entrée des artistes. Hop là. Bonjour. Ça dégage. Et ça c'est quoi? J'ai trouvé un flacon magique. Un objet pour l'utiliser plus tard. Comment ça? Ah les fées. Ah ou de la potion magique. Peut-être. Les fées, on peut mettre les fées dedans non? Mais il faut pas un filet aussi pour faire ça. Je me souviens plus. Ah voilà la bibliothèque. Donc ça voilà, je me souvenais de ça. La bibliothèque, il y a le fameux bouquin voilà ce bouquin là. Le bouquin elfique. Mais comme je sais pas comment on court, du coup je peux pas prendre le bouquin. Faut que je sache courir d'abord. Une fois que je saurai courir, en fait faut peut-être que j'achète des chaussures. Y a pas des... On peut pas gagner des chaussures, genre là-dedans. Ah ouais, mais j'ai plus de bombes. Salut. Je viens de me disputer avec mon petit frère. J'ai bloqué la porte de sa chambre. Ah, bah génial. Mais j'ai pas de bombes, du coup. Parce que là, il y a un jeu à faire là-dedans et il me semble qu'il y a des trucs à gagner, là. Peut-être même des chaussures. Bon, de toute façon, on sait ce qu'il faut faire. Porte 1, lit, parle, tire, porte. Porte 1, lit, parle, tire. Quoi? De toute façon, faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là où il y a la croix.
faut que j'aille voir l'ancien. Donc allons-y. Allons-y, Gaemon. Télé, pui, pui. Tu peux pas avoir seulement après avoir payé. Ah, combien ça coûte ton jeu là? 20 rubis. Ouais, 20 rubis ça va, c'est moins que 100. Voilà, là on fait de la thune. Du coup, je vais peut-être essayer de récupérer un peu mon argent. Et puis ça se trouve, il y a un truc intéressant dedans, genre une potion. Bon. 50, c'est cool, mais... C'est tout, on a que des 50. Ah non, il y a aussi des 1. Donc j'ai tout reperdu. Bah c'était génial. Je sais plus. Ici j'étais, ici. Oui, c'est le frère qui a fermé, qui a tout verrouillé. T'es poué. Ah bah le mec qui joue de la flûte, c'est ici il me semble. Aïe. Je crois que c'est là. Il y a un mec qui joue de la flûte ici. Aïe, quoi mais... Abusé. Le mec qui joue de la flûte. Je crois me souvenir aussi qu'il y a des trucs où faut fouiller avec une pelle. Faut creuser pour trouver je sais plus quoi. Avec une pelle. Voilà. Mais ça va pas être pour tout de suite, je pense. Pour l'instant, je peux pas courir. Je pense qu'il faut juste double. Le dash, ça doit être double dans la direction. Mais pour l'instant, je dois pas pouvoir le faire. Ah, je peux pas aller là non plus. Meurs. Voilà. Je gagne que un rubis par contre, c'est pas ouf. Et donc du coup après il faudrait que je remonte. Et que je passe par. Ah ouais, c'est loin quand même. En fait non, faut pas que je remonte, faudrait que j'aille par la droite direct. Ouais, je vais sauter directement sur son épée. Parfait. je sais plus. Ici? Oui. Alors, bonjour. Ah, en voilà de la thune. Alors... Paf. Le bouclier, ah oui. Ça c'est ce jeu qui m'a fait détester les boucliers dans les jeux vidéo. Hein. Parce que le bouclier inutile. Je peux aller là, il est ici le bonhomme, non? Ouais c'est ça. Bonjour. Je suis bien, ça, l'ancien du village. L'un des descendants des sept sages. Je suis surpris, Jay. Qu'un jeune homme comme toi puisse chercher l'épée du diable. Il n'est pas donné à tout le monde d'utiliser cette arme. La légende transmise par les Iliens dit que seul le héros qui aura gagné les trois pendentifs pourra manier cette épée. Tu veux vraiment la trouver? Oui. Ah mince, je lui ai dit que non. Je t'en dirai plus sur la légende et je te donnerai un objet magique. Va au palais. Alors je lui ai dit. Je crois que je lui ai dit non. Je refais du coup. Bien sûr. Titre de test. Ah oui, il me fait faire un test d'abord. Donc en fait, même si je lui dis non, en fait, il me donne quand même de quoi. Il me donne quand même la quête. C'est déjà bonjour, voulez-vous faire la quête? Non. C'est pas grave. Si tu veux faire la quête, fais ceci. Ah d'accord. Donc en fait, la question est rhétorique. Aïe. En fait, ça va, c'est pas loin. Je peux y aller par là. Quoi? Mais je suis en train de monter les escaliers.
C'est de la triche. Ah mais d'accord, c'est un labyrinthe donc. D'accord. Très bien. Au revoir. Voilà. Ça me donne pas de... Ça m'a pas donné de vie quand même. Ce qui est pas très mignon de sa part. Bon, il faut que j'aille là. Salut les moches. Voilà. Et donc le donjon pour récupérer le pendentif. Cool. C'est tout? Ouais, c'est un piège ça. C'est un piège. C'était pas un piège. Paf. C'était pas un piège. Ça par contre c'est un piège. Je le vois que c'est un piège. Paf. Non c'était bon en fait. Faut que j'aille où? Partout en fait. D'accord. Mais il y a absolument rien. Ah, si. Tout plein de thunes. Par contre, je suis quand même obligé de faire tout le tour. Ça, c'est pas très cool. Pas très cool de sa part. Et là de l'autre côté il y avait quoi? Rien. Bon faut que j'aille là quoi. Si j'appuie là je meurs ou ça ouvre la porte? Ok. Je vérifie quand même. Ça sent le piège. Ça sent tellement le piège. Je vais pas les agresser. Ah. Ça me plaît pas du tout. Non. Meurs. Voilà. Ah, cool, on a des flèches maintenant. Et merde. C'est dommage parce que le coup des... Ah, moi, j'espérais trouver un bouton en fait, mais non. Ah, ok. Trouver la boussole. Tu peux repérer la planque du diabolique maître du donjon. Ok, donc c'est au premier étage. Mais cela dit, j'ai pas la carte, donc ça me sert pas à grand chose quand même. Et puis je dois pas avoir le... Hey, c'est moi, ça là. Je peux te parler par télépathie quand tu touches cette dalle. Voici un indice. Mon premier... Tu peux utiliser le décor caché dans ce palais pour vaincre les ennemis coriaces. D'accord. Attends, il a dit quoi? Je peux faire quoi? Le trésor caché dans ce palais pour vaincre les ennemis coriaces. Alors oui, d'accord, donc c'est dans un des coffres, je vais trouver une arme. Une arme cool, visiblement. Et quelque chose me dit que ça va être un arc. Vu que je ramasse des flèches par terre. Dans tous les coins. Hein? C'est fermé à clé! Il me faut une clef. D'accord. Cherchons la clef alors. Mais bon, clef, une grande clé, ça veut dire trouver un boss. Tout ça pour ramener un pendentif, c'est-à-dire un bout de caillou accroché. What? C'est-à-dire un bout de caillou accroché à une ficelle. J'ai pas de clé, hein. Salut.
Paf. Heureusement qu'il y a des poteries partout. Tiens, aïe. La clef, c'est pas la bonne. Ça veut dire j'ai une bombe maintenant. Ah. Il m'a fait le screamer. Il est apparu comme ça d'une traite. Sans crier gare. Il n'a pas crié grand chose d'ailleurs. Hop là. Du coup je peux aller là maintenant. Oui. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être important. Quoi? Je me suis fait agresser par quoi là? Est-ce que je peux le tuer à coup de poterie? Non, j'imagine que non. Et ça c'est quoi? Il faut que je le tue quand même. Aïe. Comment je vais faire pour le tuer? Faut que je le tue visiblement, mais je vois pas comment. Ah bah comme ça. Tiens. Ça je peux pas, c'est la mort. Hein. Si je me souviens bien, ce truc là, ça me tue directement. Mais... Abusé. Meurs. Pas fatigant du tout. La clé. Faut que je tue tout le monde en fait, c'est ça. La clé. What? Je vais mourir. D'accord. T'as la grande clé. Alors c'est cool, mais du coup la grande clé, elle va me servir à ouvrir quoi, cette porte là. Merci Victor pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. J'ai récupéré la grande clé. Et du coup la grande clé, est-ce que c'est cette grande clé qui me permet de genre ouvrir ça? Je vais mourir en fait. Ok c'est ça. Donc maintenant j'ai des flèches. C'est quoi ça? Ah ok je suis mort. Donc je vais complètement mourir. Hein. Non c'est bon. Aïe. Le bouclier qui a servi à rien. Voilà donc je vais mourir. RIP. Sauvegarde et suite. Alors du coup j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai débloqué l'arc là? Oui. Et les flèches? J'en ai 10. D'accord. Concentration. Ah, c'est bon. Bah, je vais peut-être aller de l'autre côté du coup. Ici là. Ça m'ennuie les squelettes là. Ils font penser en fait à Sans dans Undertale. Déjà parce que c'est des squelettes, mais surtout, plus important, ils sont extrêmement vif et insupportable aussi. Alors du coup on a fait presque tout l'étage, donc il faut que je descende. Je suis quoi? Ah oui d'accord, c'est ici.
Va-t'en. Voilà. Aïe. Faut que j'aille là du coup. Là je devrais pouvoir remonter maintenant. Est-ce que je peux sauter là? Non. Aïe, je me suis bloqué. Super. Comment je fais? Je suis obligé de faire le tour par la gauche. Un peu relou. Là, je peux descendre par là ou pas? Toujours pas. Je vais pas encore avoir à tuer tout le monde. Si. C'est pas très sympa de me faire ça. Aïe. J'avais encore le truc qui me bloquait. Et donc là, droite, et je peux remonter normalement. Peut-être que je tue tout le monde. Non. Faut peut-être que je tue tout le monde. Non, c'est bon, j'ai la grande clé en fait. D'accord, donc en fait, la grande clé, elle ouvre tout. Elle ouvre pas juste une porte en fait. Elle ouvre. Aïe. Elle ouvre tout ce qu'il y a dans le donjon. Tac, tac. Donc il me faut en fait ça. Ça. Oh, c'est pas passé loin. Non! Paf! Ah oui, de la vie. Du coup, je peux ouvrir ça. En vrai. Ah, et c'était le dernier. Je crois que les flèches sont censées être efficaces contre les œils là. Mais j'aime bien aussi les poteries. Poteries, c'est rigolo. C'est efficace les poteries. Genre non, c'est bon. Faut qu'il soit faillible au moins. Genre ça, paf. Quoi? Je peux juste rester là en fait. Non. Et ici là, je crains rien du tout ici. Je me suis fait peur quand même, mais ah mais oui, ok, donc ça sert à rien, il faut que j'appuie sur les boutons. Donc visiblement pas celui-là. Bah salut. Raté, dommage. Ah ça marche plus, d'accord. Donc là ce coup-ci il faut que j'y aille à l'arc et aux flèches. D'accord, il a une flèche au milieu de l'œil, il a pris 0 dégâts. C'est super. Aïe. On peut quand même regagner un peu de la vie quand même. Toujours pas. Ah, c'est quand même. Paf! Alors, réveillez-vous. J'ai réussi à tirer pile entre les deux. Alors, généralement, c'est efficace de tirer entre les deux yeux, sauf quand c'est deux cyclopes. Réveille-toi. Paf! Paf! Voilà. Dommage, je voulais des flèches. Ok, très bien. Pardon. Quoi? Ah mais je peux juste faire ça?
Aïe. Reste dans un coin. S'ils se ressentent, je suis mort. Aïe. Comment j'ai pris un dégât? Ah oui, c'est vrai qu'il y a le même bug que dans Isaac en fait. C'est-à-dire que quand on est derrière un ennemi, on prend des dégâts sur toute la... Aïe. Sur toute la longueur du truc et je vais mourir. Et je n'ai tué personne. Pourtant, je leur ai mis 8 milliards de dégâts, mais personne n'est mort. C'est parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et bah, génial. Alors, sinon, ça m'a donné quoi? Ça m'a donné un arc et des flèches. Donc du coup, si ça donne arc et flèche, ça sous-entend que je peux les tuer avec un arc et des flèches. Peut-être. Mais dans les faits, on saura jamais quoi. Alors, j'ai pas été voir ce qu'il y avait en face, à droite, je dirais. Je peux pas descendre là, d'accord. Donc toujours en fait rester en face des ennemis parce que derrière on peut prendre des dégâts. Ça c'est assez perturbant. C'est à cause de cette vue de 3 quarts haute là. Et du coup je peux prendre un dégât sur deux cases au lieu d'une. Ce qui rend le bouclier très peu utile finalement. Donc on a dit ici et à droite. Ouais, j'ai directement été voir la pièce à gauche. Alors qu'a priori, il y aurait des trucs là. Ah ouais, il y a de l'argent. Salut. Voilà. Ça pourrait me servir plus tard. Et le... Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Ah, bordel. C'est pas grave. Dégueulasse. Il est passé au travers. Et je tire sur un ennemi qui est invincible. C'est génial. J'ai fait n'importe quoi. C'est super. C'est super. Et le personnage, on peut pas le contrôler. Par contre, ouais, ça a toujours été. Hein. Je regrette. Hein. Désolé les enfants qui ont mis 20 sur 20 à ce jeu. Mais non. À partir du moment où il y a ce problème sur le maniement du personnage. Parce que oui, c'est un problème. C'est pas du game design, ça. C'est un problème. C'est impossible de mettre 20 sur 20. C'est un problème sur le personnage. Sur les contrôles du personnage qu'il y a. Donc ça veut dire que c'est un problème que t'as du début du jeu jusqu'à la fin. Donc tu peux pas te débarrasser. Donc il y a un truc, à corriger, en fait. Je vais mourir, du coup. À cause de ça. Y'a rien qui me redonne de la vie. Hein. Super. C'est là. C'est plus là. Ah, ça change. Ça me redonne pas de la vie. Hein. Ça m'a redonné de la vie. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, arc et flèche.
Est-ce que je peux faire ça? Histoire d'assurer le coup. Oh là là. Non. Non. Partez. Meurs. Voilà. Du coup, je suis pas full life. Aïe. Du coup, je vais même mourir. Parce que ça me donne plus de flèches que de cœur. Ah si, je vais quand même être full life. Heureusement du coup. Alors est-ce que du coup ça a du sens de, d'utiliser l'arc et les flèches sur eux là ou c'est juste à l'épée? Il faut y aller. Ça a l'air de marcher. En tout cas ça a l'air de faire quelque chose. Oh c'est efficace. Ah ouais c'est très efficace. Ah ouais en fait je peux tirer juste une flèche dans le bouclier et c'est bon. Ah non. C'est juste que je lui ai fait très très mal tout à l'heure. C'est tout. Oh il est en colère lui. Deux secondes. Voilà. Non. Il m'a touché. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a un problème avec, le, avec ce personnage là. J'ai pris un dégât derrière l'ennemi. Je vais pas avoir assez de flèches. J'en ai eu pile le compte. Le pendentif. Le pendentif du courage. Apporte-le à Sarla. Il reste encore deux pendentifs, ok. Super. Je veux bien les chaussures pour courir aussi. Et j'ai gagné un cœur aussi. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'était où déjà? Pardon. Ah oui, non, mais je vois les autres pendentifs, d'accord. Donc je peux le redonner à lui. Salut. Longtemps. Il y a un ordre de chevalier protégeant au royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata quand les sept sages créèrent le sceau. Leur sceau. Les descendants des chevaliers d'Hyrule, un héros doit surgir. Bien, Jay, j'ai foi en toi. Tu devras récupérer les autres pendentifs. Prends cela avec toi, c'est un trésor qui s'est transmis dans les familles des sept sages. Je veux qu'il soit tien. Les chaussures. Oui. Les bottes de Pégase, tu peux maintenant lancer une attaque éclair. Dévastatrice. Maintiens le bouton A un court instant. Alors le bouton A du coup c'est lequel? C'est celui-là. Ah oui voilà. Pikachu attaque éclair. Voilà. Super. J'ai des bombes. Donc oui. Donc si j'ai des bombes. Paf. Attendez. Voilà. Plus de bombes. Il y a quoi là-dedans? La vie et la vie. D'accord. Non, me marche pas dessus. Voilà.
faut vraiment qu'en plus je l'emmène loin parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je peux prendre un dégât sur l'arrière du personnage. Et je vais pas du tout au bon endroit, on est d'accord. Hein. Aïe, voilà. L'arrière du personnage, donc. Comme je viens de vous expliquer. Le bouclier qui fera aucune protection. Et du coup, les bottes de Pégase. Donc maintenant, si j'ai les bottes de Pégase, ça veut dire que je dois pouvoir aller chercher le livre. Qui se trouve ultra loin d'ailleurs. C'est pas ici. Est-ce que je me noie ou est-ce que je sais nager? D'accord. Donc il faut aussi acheter les palmes, je sais plus quoi là, il y a des palmes pour savoir nager. Bouclier. Voilà. Bouclier. Voilà. Ça marche jamais d'habitude le bouclier, mais là, j'ai presque compris comment ça marchait. Voilà. Parfait. Aïe! Bon, tant pis. On va pas tuer le crabe cette fois. Je crois que c'est juste tout droit. Hein. Que je me souvienne. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille à la bibliothèque là. Il y avait ça. Alors, je sais pas comment c'est possible de le deviner d'ailleurs. Moi, je le sais parce qu'on me l'avait dit en live. Quand je l'avais fait le premier coup. Et il faut faire ça là. Et là du coup. Paf! Voilà. Le livre de Mudora permet de déchiffrer l'ancienne langue des Iliens. Donc du coup maintenant on peut lire ce qui a marqué au pied d'Excalibur. Sauf que je crois que je peux pas la récupérer parce qu'il me faut les trois pendentifs pour pouvoir le faire. Il me semble que c'est une affaire comme ça. Sauf que là du coup je suis pas très loin du pendentif qui est en bas, on est d'accord. En toute logique, je devrais pouvoir y aller. J'ai des bombes aussi, donc je peux aller voir le copain qui est à côté là. Bonjour. Eh, hey, tu viens de la chambre de mon grand frère? Il est toujours fâché? Je sais pas. Ton avis? On va lui demander. Si tu atteins le but en moins de 15 secondes, je te donnerai quelque chose de bien. Prêt, partez, d'accord. Ah ouais, mais faut que du coup que j'aille là en fait. Mais je peux pas en vrai. Alors cette pancarte, tu devrais aller droit au but. Mais comment? Je suis obligé de passer là en fait. Oui. Ton temps était de 30 secondes. Tu ne t'es pas qualifié, tant pis, tu veux réessayer? Ouais. Ah oui, d'accord, je peux pas passer. Ok, on va réessayer alors. Je suis pas sûr que je puisse faire déjà le moins de 15 secondes. Cela dit, un petit conteneur de cœur avant d'aller de l'autre côté là, ça pourrait être pas mal. Même si en vrai, on va peut-être arrêter le live bientôt. Parce que c'est déjà l'heure de la fin. Partez. Vite. Vite.
Je crois que c'est pas suffisant. Je pars essayer. J'ai pas les compétences pour faire 21 secondes. Je pense qu'il faut, faut un raccourci, genre pouvoir soulever les pierres et tout ça. Donc ça va pas être tout de suite en fait. Et oui. On va voir ce qui se passe ailleurs dans ce cas. Alors je peux pas descendre là. Triste. Non. Voilà. Je devrais pouvoir passer là. Il me manque un peu de vie quand même. Ça serait pas mal de récupérer de la vie quelque part. Voilà, genre pas comme ça, par exemple. Ça donne pas de cœur. Je vais mourir. Oui. Je vais mourir. Alors ouais, lui je me souviens, il parle pas en fait. Voilà. Je me souviens de ça. C'est pour après ça. Bonjour. Effacer la fatigue du voyage. Cool. Full life du coup. Et je crois aussi, non, c'est peut-être pas là. Il y a un endroit où faut mettre plein d'argent dans le truc et c'est même très très long à faire. D'ailleurs, si je me souviens bien, là-dedans il y a des gros ennemis. Et je peux pas y aller aussi. Si, je peux y aller. Je peux pas lire la langue des anciens. J'ai le livre. Pour voir un chemin, fais une prière et elle sera exaucée. S'il te plaît, ouvre-moi. Voilà. Parfait. Et les pui. Alors ouais, mais non. S'il faut refaire tout le donjon en entier, ça va être long. Je peux le tuer ça ou pas? Avec l'arc et les flèches, mais j'ai pas assez. Je suis mort. Aïe. Je l'ai vu trop tard. Aïe, ça m'aspire. Non. Saleté. La vie. Je prends tellement de dégâts. Aïe, mais il a pris une flèche dans l'œil. Ça doit pas être ça. Ça doit être intuable ce truc. Okay. Si, ça m'a mis un dégât. Du coup, c'est quoi? Il y a un bouton? Oui. Mais il m'a mis un dégât. Hein. J'ai pas la grosse clé. On va essayer quand même, mais il faut la grosse clé. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut la grosse clé. Bonjour. La grosse clé. Pour dans la forêt. Padabam, pam, pam. Du coup, c'est pas la bonne clé.
Faut que j'aille voir autre part du coup. Ouf. C'est pas passé long. Du coup je me suis remis full life grâce aux poteries. Poterie vraiment meilleure arme du jeu. Tout le monde se prend la tête à améliorer ses armes et tout alors qu'on peut juste trouver des poteries et faire des one shot à tout le monde. C'est un sacré plan. C'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Y a des flèches là-dedans. Oui. Il y a des flèches. Il y a des. Voilà. Ça, j'avais pas besoin en fait. Là, il y a un cœur. Ok. Salut. Ah. Ah. Non. 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 comment je peux le tuer d'ailleurs? À la flèche, je peux. Genre, si je fais ça. La réponse est oui. Ah non! Voilà. Je prends des dégâts quand même. Coucou! Il y a des lasers! C'est bon. Pas de panique. Mais quand même un peu. Qu'est-ce qui quoi? Non, c'est bon. Il y a rien de. Il y avait aucune difficulté. Voilà la grosse clé, donc tout va bien. La grosse clé. La grosse clé. Du coup, c'était quoi le coffre? Le gros coffre, il était où? Tout à gauche, il me semble. Il n'y avait pas un cœur là-dedans, normalement. J'ai récupéré le gant de la puissance. Tu dois ressentir la force dans tes mains. Tu peux ramasser et porter des pierres maintenant. Cool. Par contre, j'ai pas fait le donjon quand même. On peut aller en bas. Et puis on va terminer. On va terminer ce donjon là. Même si en vrai, je suis pas sûr. Aïe. Ouais, en vrai, je vais peut-être terminer juste ma vie, faire un Metal Slug et puis on va aller se coucher. Je pense que c'est ça qui va se passer. Et ça passe. J'aurais peut-être dû regarder les poteries. Il y a probablement un truc intéressant. Alors attendez quoi? J'ai pas compris. Il y a une porte là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il faut que je récupère ça d'abord. Non! Fait que je récupère le morceau de cœur. Pousser un truc là pour ouvrir une porte, genre ça par exemple. Non. Ah ouais, parce qu'il y a qu'un seul sens en plus. C'est ça. Ah oui, de la vie, bien sûr.
Par contre, il me faudra le filet pour récupérer ça. Alors, du coup, si on a fait ça, il faut aller où maintenant ? Le coffre, c'est fait. Il y a un étage. Hein. Il faut que j'arrive à trouver un étage. J'arrive à trouver un étage. Mais j'ai fait quasi tout le donjon. Il n'y a que en bas à droite que j'ai pas fait. Je vais quand même regarder en bas à droite. Hein. Même si je pense que c'est pas ça. Hein. Mais mais il faut regarder. Il faut regarder tout. Ouais, effectivement, c'est pas ça donc. Cela dit, peut-être que là on a un accès à un étage. Pas du tout. Si, peut-être d'ailleurs. Non, bah non. Je suis sorti du truc et donc non, c'est pas ça. Je sais pas. J'ai récupéré un gauntlet, mais j'ai pas fait le donjon. Et bah, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ça quand même. Et puis, je vais juste faire un petit Metal Slug avant de partir. Et puis, on va se laisser là-dessus. Hein. Alors, Metal Slug. Elle est où, la Neo Geo là? Elle est là. Paf, paf. Voilà. Un seul crédit toujours. C'est parti. La grenade, c'est pas génial ça. Je gâche les munitions, c'est pas grave. C'est pas très grave. On a des munitions, mais on en a plein sur cette mission là. C'est pas gênant, c'est sur la mission 3 que ça commence à devenir compliqué. Normalement, on peut casser ça. Du coup, je peux peut-être faire ça. Je prends beaucoup de risques pour faire ça. Est-ce que ça a vraiment un intérêt quelconque? Je crois pas. Hein. Ok. Allez. Pourquoi je fais ça comme ça? Je sais pas, tant pis, ça marche. Ça marche aussi. Et voilà. Alors, il y a toujours le mec en train de cuire, donc on va essayer de faire gaffe. C'est bon. Il a failli se barrer par le poteau. Ah,
je saute. Mais quel débile. Je suis mort. Oh là là, je perds mes deux vies. Je perds mes deux vies sur la mission 2. N'importe quoi. Je me déteste. Et merci ça, Kevin, ça, c'est bien ça. Merci pour ton like, bienvenue sur le live. Alors du coup, c'est la fin du live en fait. Mais là j'ai fait n'importe quoi, donc du coup je recommence, histoire de faire au moins une partie qui a du sens. Et pas mourir bêtement mission 2 quoi. Et perdre deux vies en plus sur un truc qui n'a absolument aucun sens. Parce qu'il y avait aucune, il y a aucune difficulté hein, sur la mission 2. C'est à partir de la mission 3 que je commence à faire n'importe quoi normalement. Mais je sais pas, là on voit rien de très intéressant là. Normalement on voit mission 4 voire mission 5 des fois quand je joue vraiment bien. La mission 6 c'est pas pour tout de suite. Je crois on l'a vu une fois actuellement la mission 6. Avec le avec un seul crédit toujours. En vrai je pourrais juste faire ça voilà, de me prendre la tête. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Y'a pas besoin. C'était peut-être tir un peu rapide. Je prends le dégât. Pas très bien ça. Rocket launcher. Alors ok bon, on n'aura pas au moins à gérer la complexité du de l'otage dans le barbecue. Par contre il faut quand même que je fasse gaffe à ça. Ok ça c'est bon. Et ça fait que 5000 points. Dommage. Je préfère ça. Voilà, les gros points ils sont là. Ah bah ça a pas tiré le. Bah tant pis. Voilà. J'aurais dû prendre le heavy machine gun quand même. Ça aurait été plus intéressant. J'ai jamais testé aussi de voir si Rocket Launcher c'était efficace contre le reste. J'ai toujours fait au shotgun et je trouve ça très efficace. Merci Etsé Adokanu, c'est bien ça? Merci Etsé Adokanu pour ton like. Bienvenue sur cette fin de live. Bon, on va peut-être voir la mission 3 pour changer. Thank
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas 7 coups normalement. Alors, est-ce qu'on va avoir un joli pattern? Vu qu'on s'est fait arnaquer sur le nounours, il nous a pas donné de points. Peut-être avoir un joli pattern, ce serait sympathique. Et non. Pattern dégueulasse. La bombe, elle est pour moi, là. Non, c'est bon. C'est pas très sympa. Bon, ça passe quand même, hein, mais bon. Ça veut dire un dégât qu'on aurait pu éviter, quoi. Alors voilà, ici il faut faire gaffe. Bien souvent je meurs salement en tombant juste dans le vide. Et en gâchant. Fais gaffe à ce que tu fais quand même. C'est mort. C'est bon, c'est passé quand même. Pip, 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 pip. J'aime bien le rendre fou, lui. Oh là là, j'ai cru que j'avais raté mon saut. J'ai gâché une grenade. Non, j'ai encore cru que j'avais raté mon saut. Alors du coup on a dit quoi? On a dit on va essayer de passer par dessous en fait. Ce sera peut-être plus efficace. Ah mais je suis à côté. C'est pas plus efficace finalement. Ouais si quand même. Je sais pas, j'ai dû juste me foirer, c'est tout. C'est dommage. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ça faut que je fasse très très gaffe. La grenade. Ok, c'est bon. Pour au moins lui il est sauvé quoi. C'est pas génial là quand même. Alors oui. Vas-y, viens par là. Et là, normalement, c'est bon. Ok. Et là, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà qui est beaucoup mieux. Et
alors là, normalement, il faut y aller au timer pour sauver les autres, là. Je sais pas si on peut y aller au timer ou si on peut juste le faire avec les mines. Je suis mort. Oh là. Je sais pas comment je suis passé, par contre. Comment je vais faire? Ah bah c'est bon. C'était suffisant en fait. Bon alors ce coup-ci on va essayer de pas faire n'importe quoi et de récupérer au moins le Metal Slug. Voilà, avec le Metal Slug du coup c'est pas tout à fait le même délire. Voilà. Allez. Voilà. Allez, si ça passe, j'ai eu peur. Non, non. Ah, c'est bon. Et non, c'était pas bon en fait. J'ai pris le dégât du coup. Du coup, c'est un peu tendu en vrai. Vu que j'ai pris ce dégât que j'aurais pas dû prendre. Aïe aïe aïe, le deuxième dégât. Ça c'est encore une erreur. Du coup ça va devenir très dangereux. Ok, c'est bon en fait. Du coup j'ai regagné un point de vie. Faut descendre par contre, merci. Et là je devrais pouvoir m'en sortir normalement. En théorie. C'est bon. J'ai plus de grenade. Ah, je suis bloqué dans la sprite. Super. C'est pas grave, ça marche quand même. Ok, bon, c'est pas ouf. Je suis persuadé qu'il y a plus d'otages planqués dans ce niveau. Allez. Bon alors là par contre il faut vraiment que je m'entraîne plus sur cette mission là parce que je l'atteins beaucoup trop rarement. Je le vois venir en plus. Ça me plaît pas du tout. Thank you.
ça va pas. Ça, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comment je vais faire maintenant? C'est bon, ça passe en fait. Je prends ce dégât là, mais c'est pas grave. Tant pis. Reviens là, toi. Reviens là. Reviens là. Je l'ai pas sauvé. Le jeu vient encore de m'arnaquer. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de dégâts sur le... Enfin, j'ai pris beaucoup de dégâts sur le Metal Slug et du coup, ça se passe vraiment pas bien. C'est un problème. Faut vraiment que je m'entraîne beaucoup plus sur cette mission-là. Et j'ai plus de Metal Slug. Ça, c'est nul. Sortir du truc... Non, c'est... Ça va pas. Ça manque d'entraînement, tout ça. Alors... C'est pas grave, on va s'arrêter là. Paf. Pourquoi je l'ai fait dans ce sens là, je ne sais pas. Terminé. On a quand même fait le meilleur score sur la console jusqu'à présent. En un seul crédit, toujours un seul crédit. Hein. On n'a pas les moyens de. On n'a pas les moyens de dépenser un milliard de crédits, donc un seul crédit à chaque fois. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous, on se retrouve normalement la semaine prochaine, en théorie c'est censé être le vendredi que je suis présent, donc normalement la semaine prochaine je serai là vendredi, de 19h à 21h, comme normalement d'habitude. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à la prochaine. N'oubliez pas le code promo J10 si vous voulez commander la console sur la console rétro. Voilà, des bisous.